Ah, la famille, vous les avez, quand ils là, quand ils sont mal inspirés. Voilà. En comédie, on dit drame mieux que bête. Voilà. Je veux parler à mon neveu, mon grand frère, KKB. Mes félicitations pour ta nomination au poste de ministre de la Réconciliation. Ouais, je te félicite. Mais je veux te donner un conseil, cher grand frère. Voilà, si je te tutoie, parce que t'es mon grand frère. Voilà. Tu sais, quand on dit on est ministre, on travaille pour le président. C'est lui qui t'a nommé ministre. Donc, quand il a réfléchi, il a créé ton ministère, c'est parce que dans son programme, il veut faire quelque chose qu'il veut te confier. Voilà. Donc, c'est pas toi, ta bouche là. Tu as fait. Tu comprends? Je vais dire, tu parles. Un ministre, c'est quand il sort du conseil des ministres, ils ont fait un programme de proposition, tout, ils ont accepté, le président a signé, et c'est ça qu'il fait sur le terrain. Mais c'est pas lui qui a son programme, c'est pas toi qui as gagné les élections pour exécuter ton programme de gouvernement. Tu comprends? Donc, il faut fermer un peu ta bouche. Voilà, il faut fermer ta bouche. Gbagbo, il a déjà eu son passeport, il va rentrer. Ceux qui sont à la maca, on ne les juge pas. On ne sait pas ce qui se passe. Un enfant ouvre la bouche, on le jette à la maca là. Si tu as envie de parler pour libérer les gens, il faut commencer sur eux. Tu comprends? Voilà. Sinon, un ministre, il attend. On lui dit, voici ta feuille de route et il commence à travailler. Tu as déjà parlé, blablabla, les déclarations. Il faut que tu arrêtes ça. Tu comprends? Voilà. L'homme, il t'a nommé ministre pour son troisième mandat. Et les Ivoiriens refusent parce que tu l'as soutenu, tu lui as apporté le soutien, tu as validé ça. C'est ça, il t'a récompensé. Ton tais-toi, ce que tu vas faire, il va te donner ta feuille de route. Et puis tu vas faire, faut pas ta bouche la faire. Voilà, en comédie, drap est mieux que bain. Hein? Je suis en train de chier, quoi. Moi, je chie. Voilà, famille, balancez la vidéo.